Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter un objet à un personnage. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite chapitre 3 saison 1. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de l'un de ces personnages pour lui acheter un objet. Dès que vous aurez acheté un objet à un personnage, là vous aurez terminé le défi. Donc là, regardez, moi, je vais me rendre près de la personne qui s'appelle Native, qui est juste ici à côté de l'Oasis. Et je vais tout simplement acheter des clombets ou une arme, peu importe. Il faut simplement acheter un objet. Donc peu importe, vous pouvez acheter une arme, un objet, un truc de soin. Tout ce que le personnage propose, vous pouvez l'acheter. Donc là, regardez, il propose... par la Native, ok. Il propose une arme, des clombets ou activer une faille. Après, activer une faille, c'est pas vraiment un objet, donc je pense que soit vous prenez l'arme, soit vous prenez l'objet. Voilà, comme ceci, donc là, ça me coûte 25 d'or, donc je vais prendre l'objet, ça me coûte moins cher. Hop, je prends l'objet, et là, normalement, j'aurai terminé le défi. Bien sûr, je fais les vidéos en avance, donc le défi n'est pas encore activé, mais c'est ça qu'il faudra faire. Donc voilà, dès que vous aurez acheté un objet à un personnage, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace.